It's America's best kept secret. Le chantier du barrage de Belo Monte au Brésil a débuté en 2012 sans le consentement des populations locales. Il sera le troisième plus gros barrage du monde et l'un des premiers d'une longue liste prévue au Brésil. Le gouvernement brésilien justifie le barrage de Belo Monte par une amélioration de la croissance du PIB, par l'amélioration de la répartition des revenus et l'éradication de la pauvreté. Le barrage va détruire toute une partie de la forêt primaire, sa faune et sa flore, dont des centaines d'espèces n'existant nulle part ailleurs. La construction du barrage va entraîner le déplacement de plusieurs dizaines de milliers de personnes chassées de leurs terres ancestrales. Les indigènes sont massacrés et terrorisés. Des villages entiers disparaissent avec la forêt. Ils ont repris le chantier avec des arcs et des flèches. Et les journalistes se sont fait interdire de zone sous peine d'emprisonnement, en fait, tout simplement. Soutien au peuple de Belo Monte et contre la destruction de l'Amazonie. Nous, petit peuple français, qui avons besoin de consommer toujours plus. It's America's best kept secret. Ce qu'on sait moins, c'est que l'électricité du barrage va servir avant tout à l'extraction d'un minéral appelé bauxite et à sa transformation en aluminium. Le procédé pour extraire cet aluminium se fait avec de la soude caustique. Les boues résiduelles sont très corrosifs et contiennent des métaux lourds tels que le titane, l'oxyde de fer, l'oxyde d'aluminium, l'oxyde de silicium, le cadmium. Ces résidus s'infiltrent dans la terre et nuisent gravement à la vie végétale et animale. Ces métaux lourds sont persistants, s'accumulent dans l'organisme et à long terme produisent des altérations du comportement, du développement et de la reproduction. Les études sur l'impact environnemental qui approuvent le projet ont été faites par les porteurs du projet eux-mêmes, dont l'EME, le nom brésilien de GDF Suez. La Commission interaméricaine des droits de l'homme a demandé la suspension du chantier. Assassin ! La présidente brésilienne Dilma Rousseff a alors coupé toute relation avec la Cour des droits de l'homme. Son gouvernement est connu pour d'innombrables scandales de corruption. Il exerce un contrôle total des médias. Le projet soulève une grande opposition internationale et une forte résistance indigène. Who we fighting for? Who we dying for?
ces joueurs-là. We are living a society without slaves, poverty, misunderstanding, social injustice. And there are people like myself and many others, call ourselves anarchists, who feel that this injustice can be done away with, that people can be educated. You will carry on that ideal, no matter whether you call it anarchist syndicalist, anarchist individualist, anarchist communist, whatever label you put to it. What is the ultimate goal of all these scattered ideas? Whether it's the idea of Proudhon, whether it's Kropotkin, whether it's Malatesta or anyone else. Each one had little variations, but the ultimate ideal, the ultimate concept of all of these people was ultimate human justice for everybody. And that is the ideal that anarchism stands for. Avec les enfants, ouais. C'est pas cool pour les enfants. Ben, je sais pas, non, ça peut paraître choquant pour les enfants. Ouais. Ben, en fait, s'ils se questionnent, c'est génial. Tu vois, en fait, il faut juste leur expliquer. Non, mais là, le truc, c'est de se renseigner. En fait, si on fait ça, c'est pour choquer, pour que les gens se renseignent. Tu vois, parce que là, en fait, l'idée de GDF Suez, c'est qu'il n'y a absolument aucune information. C'est qu'aucune information arrive jusque la France. Donc, nous, là, il y a 25 000 personnes. On s'est dit, on en profite, quoi. C'est clair. Tu vois, c'est tout.